mieux se comprendre pour vivre ensemble les communautés vivant à Grand Bassam, cité balnéaire située à seulement quelques kilomètres d'Abidjan, l'ont bien compris. À l'occasion de la fête de l'indépendance, nous avons décidé d'en apprendre un peu plus sur la vie sociale dans cette cité. Et pour ce faire, nous recevons ici pour vous Ibrahim Ndiaye, imam de la Grande Mosquée de Grand Bassam. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de l'indépendance, mais vous nous réservez aussi un coup d'histoire sur les mosquées à Grand Bassam. Ma première question, pourquoi vous êtes-vous installé ici Parce que je précise que nous sommes dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un choix personnel. Oui. C'est mon père qui s'est installé ici à 1900 mm -hmm. Et il a fait la dernière mosquée en 1904. Et à partir de là, à partir de son installation, mm -hmm. nous sommes installés. Il a officié, il a été le premier imam à faire un serment de vendredi dans le grand sud Komoé. Dans le grand sud Komoé. Le premier serment a été fait par votre père. Ah mon père. D'accord. Le serment de vendredi. Mmh. Chaque vendredi, chaque imam fait un serment. Si c'est une mosquée de vendredi, fait un serment. Le premier serment dans le sud Komoé a été fait par hein, mon père. Mmh. À la Grande Mosquée de grand Oui. Et après son décès en 1972, de 1904 jusqu'en 1972, il était l'imam de la Grande Mosquée de grand mm -hmm. Et à son décès en 1972, 20 août, on a pour connu le mois d'août, oui. mais beaucoup cher. C'est un mois important pour vous. Un mois vraiment important. Je suis né en août. Oui. Et je me suis marié en mois d'août. Et votre père est décédé? Dans un mois d'août, le neuvième mois. Alors, de la oui. c'est un, un mois d'août. Oui. c'est un, un grand moment que je ne peux pas y mourir. Oui. Alors, après son décès en 1972, mon frère, après l'autre imam qui suivait mon, mon père, mm -hmm. il est décédé. Mon frère, après la relève. D'accord. Il a vécu en tant qu'imam, en tant que guide religieux, il est décédé. Et celui qui le suivait aussi, après le 17 décembre dernier, le chômage est revenu d'être l'imam central de la Grande Mosquée des grâce Et c'est un honneur pour nous de vous avoir pour cet entretien. Il y a plusieurs communautés qui vivent ici, à Grand Bassam. Comment se passe la cohabitation La cohabitation se passe Il faut reconnaître que nous n'avons pas la tâche facile. Oui. C'est... Vous n'avez pas la tâche facile. Nous n'avons pas la tâche facile. Et pourquoi? Parce que la communauté s'entend bien. Oui. C'est ce qui allège notre tâche. D'accord. Gouverner les gens, ce n'est pas facile. Mm -hmm. euh, vaquer à toutes les occupations, à toutes les préoccupations de la population, ce n'est pas facile. Mm -hmm. C'est comme disait un homme, quand on a 100 têtes de vaches, oui. on a besoin d'un seul bâton pour les mm -hmm. Mais quand on a 2-3 personnes à gérer, oui. il faut avoir trois idées différentes pour les gens. Mmh. On entend qu'on la tâche n'est pas facile, mais avec la cohabitation, la compréhension des tout déjà. Oui. nous vivons en parfaite arôme. Comment vous contribuez justement à la paix sociale La paix sociale, à grand ensemble, notre rôle est de vaquer à nos occupations religieuses et de nous occuper de la population. Oui. Chaque fois qu'il y a un petit truc quelque part, qu'on nous sollicite. Un petit truc quelque part, donner un exemple. Et quand il y a une, un monsieur, une dame, oui. qu'il y a un peu de chaufferie entre eux, oui. on vous appelle, oui. nous appelle, mm -hmm. nous sommes obligés d'être sur là. Nous sommes obligés d'être là pour que la collision puisse continuer, l'entente puisse continuer mm -hmm. au sein de leur famille. Oui. Voilà. Tant qu'il y a l'entente entre les gens, le développement est plus facile à faire. Et quand il y a trop d'animosité entre les gens, il est difficile de cohabiter dans la paix voilà pourquoi nous ne se sont pas de nous occuper des problèmes des autres de les aider à nous aider aussi et Grand Bassam était un exemple à la matière parce qu'on l'a vu lors des élections ou lors des échéances électorales on sait un peu ce qui se passe dans les autres régions de la Côte d'Ivoire mais Grand Bassam est toujours épargné. c'est sûrement à cause du travail que vous faites sur le terrain pas à cause de moi seul oui c'est à cause de toute la population bien sûr parce que euh, avoir la paix et la perte, euh, normalement c'est pas possible pourquoi c'est pas possible tout le monde sait que sans paix il y a pas de réussite mm -hmm. sans paix il y a pas il y a pas il y a pas de développement pour mm -hmm. qu'on puisse réussir dans sa vie il faut d'abord la paix oui et cette paix là il faut la préserver il faut la bien garder comme disait le sage notre premier président à son nom bah oui et la paix c'est la seconde religion des Ivoiriens. Mm -hmm. Et cette paix-là, on travaille dans ce sens. On n'a pas que nous la perdions. Vous venez de, de, de tendre la perche de la paix. Mmh. Vous parlez de paix. Et la Côte d'Ivoire fête 64 ans d'anniversaire. Mmh. C'est pour l'indépendance, justement, que nous sommes là. Je précise que nous sommes dans vos bureaux ici. Qu'est-ce que cela vous inspire, 64 ans d'anniversaire mmh. En tant que religieux, je vous citerai... Un verset coranique, oui. Allah nous dit dans le Saint-Coran, chaque mmh. Allah nous dit ceci si vous me lui et mes bienfaits, j'ai la Zugmonde. Nous disons grand merci à Dieu. La Côte d'Ivoire vient de loin. Oui, 64 ans dans ma vie d'un pays, c'est pas 64 jours. Nous venons de loin après la colonisation. Si tout ce que la Côte d'Ivoire traité c'est juste aujourd'hui. Si encore on a debout, nous devons rendre grâce à Dieu. Bon mmh. Et nous devons remercier Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a accordés à ce beau pays. Et nous disons chaque fois à tout et chacun, que tu sois religieux ou pas religieux, chaque fois que tu as un peu de temps, pense-moi à ce qu'il a du vent ta donner. D'accord. Le thème de ce 64e anniversaire, c'est jeunesse ivoirienne et force de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Alors, là, nous remercions nos autorités, les mmh. chefs d'État et tous les institutions ivoiriennes pouvoir oui. penser à ce thème-là. Mmh. Ce thème-là. Sans jeunesse, il n'y a pas de vie. Vous travaillez beaucoup avec la jeunesse ici à Grand Bassam. Nous travaillons beaucoup avec la jeunesse. Nous les aimons beaucoup. Mm -hmm. Parce que ce qui est dans la vieillesse, la jeunesse ne connaît pas. Et oui. ce qui est dans la jeunesse, la vieillesse connaît. On a d'abord passé jeune avant d'être âgé. Mm -hmm. La jeunesse est bon quand la jeunesse est conseillée. Oui. La jeunesse est bonne quand la jeunesse sait que l'avenir lui appartient. Mm -hmm. La jeunesse est bon s'il a un bon comportement, oui. s'il a une très bonne éducation, on peut compter sur La Côte d'Ivoire a choisi la jeunesse. Même une année pour la jeunesse, mmh. ce n'est pas donné à tout, à tout le temps. Oui. Et la jeunesse ne peut pas aller sans les forces de l'ordre. Bien sûr. Forces de l'ordre. Parlons-en. Quels sont vos, vos rapports avec les forces de l'ordre Les forces de l'ordre, nous sommes en parfaite harmonie avec eux. Mmh. Le commissaire. Euh, D'abord, nous commençons par notre présidente, qui est Madame le préfet. Oui. Et... On parle de Madame le préfet de Grand-Bassam, bien sûr, du commissaire aussi de Grand-Bassam. Grand du et de Grand-Bassam, oui. du sous-préfet tout et tout, le maire, uh -huh. le maire et toute la mairie, toutes les autorités, nous travaillons en symbiose avec eux. Quand on, on nous sollicite pour quelque chose, vite nous le faisons. On sait que vous profitez très souvent des célébrations religieuses pour adresser des messages. À la population et notamment à la jeunesse. Vous l'avez fait lors de la fête de, de la Tabaski. Exact. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous avez dit aux jeunes Les jeunes, je les ai toujours demandé d'être positifs d'ailleurs. Mm -hmm. On n'a qu'une vie. Il faut... Il faut être positif, c'est-à-dire Positif, c'est-à-dire le respect de nos institutions d'abord. D'accord. Le respect de ta propre vie mm -hmm. et le respect de l'autrui. D'accord. Je respectons de lui. Mm -hmm. Pour poser un acte, il faut penser si je pose cet acte-là, est-ce que je ne vais pas faire du tort l'an prochain Oui. La jeunesse n'est pas faite pour faire n'importe quoi. Oui. La jeunesse n'est pas faite pour, pour boire n'importe quoi. Mm -hmm. de consommer n'importe quoi. Mm -hmm. Tout ce que la jeunesse consomme qui est négatif, c'est négatif pour le consommateur. Oui. L'alcool, la drogue, les drogues dures, le, le gang, n'importe quoi, il faut que la jeunesse mette sa miette. Mmh. Il faut qu'il se passe de ça. Vous avez, une ici, vous avez une année à votre nom. Il faut bien profiter de cette année pour dire que à ceux qui ont choisi cette année pour nous, oui. le chef d'État et tous les membres du gouvernement, nous leur remercions en devenant positifs. Mmh. Positif. On sait qu'il y a un événement qui vous a marqué ici à Grand-Bassam. On ne peut pas faire cet entretien sans revenir sur les attentats de 2016. Comment vous avez réussi à recoller les morceaux Les Nous disons adieu. Dieu, je n'ai plus. Et ce truc-là nous arrive encore. Parce mm -hmm. que ce n'est pas bon d'ôter la vie humaine. Quand on est musulman ou bien quand on est un être pensant, Allah interdit de donner l'amour à soi-même. Oui. Surtout de donner l'amour à son prochain. Vous êtes imam, donc vous savez très bien ce que vous dites. Je sais ce que je dis. Mm. Je sais ce que je dis. Oui. Oter la vie, ta propre vie d'abord. Se suicider d'abord en islam est interdit. D'accord. Se suicider, c'est interdit. La religion qui te dit de ne pas te suicider, cette religion ne va pas te demander de donner la mort à ton prochain. Mm -hmm. Non, qui disent autre chose, ce n'est pas la religion qui leur demande ça. D'accord. Un autre problème aussi, euh, euh, imam, est l'âge. Je rappelle que vous êtes l'imam de la grande mosquée de, de Grand Bassam où euh, on fêtera dans euh, le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. On sait qu'il y a un problème de chefferie à Mossou. Euh, un regard sur ce problème de, de chefferie à Mossou. Un regard sur la chefferie de Mossou. Je dirais ceci nous demandons à la chefferie de Mossou bien sûr les tiens Uh -huh. C'est ce que le président, dans son nom, son bruit, nous a toujours enseigné, le dialogue, c'est une arme de faux et non une arme de faible. Il faut que la chefferie euh, retourne à la table de négociation entre eux. Ils sont de même sang, qui s'entretiennent, qui, qui, qui s'entendent sur ce problème-là. Il n'y a pas de problème humain qu'on ne peut pas résoudre. D'accord. Soit on déploche les problèmes, soit on reçoit le problème. Merci. Ce tu souhaites, dans nos prières, nous voulons que nous nous sentions et que nous passions sur le Merci. Merci. Merci, Imam Ndiaï, Ibrahim Ndiaï. Je rappelle que vous êtes l'imam de la grande mosquée de, de Grand Bassam. C'est la fin de cet entretien ici à Grand Bassam. Merci de nous avoir reçus et d'avoir reçu aussi toute l'équipe de cette info. Euh, L'actualité continue. Suivez cette info pour revoir. avoir.